Se retrouve aujourd'hui pour le Light Challenge. Ça abîme les yeux. J'ai été tagué par Saturn ASMR que je salue et le tag, enfin le challenge a été créé par Toutou ASMR. Cette lumière est extrêmement forte. Je pense que je baisserai la luminosité de ma caméra au montage parce que ça me crame littéralement les yeux. J'ai 135 watts dans les mains. Je n'ai pas masse de lumière à vous proposer. Ça vous hypnotise. L'être humain cherche toujours de la lumière. Il n'aime pas rester dans l'ombre. La lumière a toujours fasciné l'humanité tout entière. Que ce soit depuis la création. Voici le petit panneau LED que j'utilise tout le temps. C'est ce petit panneau qui fait que on me voit. On dirait des étoiles. Au point de face. Ce serait sympathique, mais je ne crois pas. On dirait vraiment des petites étoiles. Nous allons faire des petits tests visuels en partant à droite et en allant à gauche ou peut-être à droite ou à gauche. Je m'y fais jamais. Miroir.
Je sais jamais si c'est à gauche ou à droite. Ce que je sais, c'est que le micro auquel je suis en train de parler actuellement est à gauche. Et ce micro-ci est à ma droite. Ça fait un peu peur. Je me suis mis une petite lumière d'appoint. Une petite bougie printanière. Je sais même pas depuis quand j'ai ça. Attention, je vais éteindre la lumière. Ça sent très bon. J'espère que ça vous plaît. On voit peut-être pas énormément la mèche. Je sais que les lumières naturelles, comme les bougies, me détendent plus que les lumières artificielles. Je trouve que c'est plus chaleureux. Bon, par contre, la mise au point, elle a l'air de se barrer toutes les 2 secondes. Ça m'embête un peu. Après, ça donne son effet, mais ah, la lumière s'éteint. Comme une fin de fête. C'est sur une lumière un peu moins artificielle, mais tout autant pratique, surtout quand vous avez de la batterie. De lens. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Enfin, l'effet de lentille, quoi. Vous voyez les petits points qui se forment. Ça correspond au nombre de lentilles qu'il y a sur l'objectif normalement, il me semble. Je veux pas dire de bêtises, mais il y a des gens qui payent très
Avec le petit effet. Oui, c'est mon 24, pas de grenier. On dirait la lune dans le coin comme ça. Ou un ovni peut-être. Voici notre ami YouTube qui nous permet de pouvoir trouver des lumières sur Internet. J'espère que c'est relaxant. Grâce à la modernité, on a accès à énormément de choses. Après, il faut bien savoir s'en servir. Chaque fois, ça n'allait jamais dans le coin. Ça rebondissait toujours. Et là, regardez, je vais réaliser le fantasme de tout le monde. Paf, dans le coin. Paf, dans le coin aussi. Bon, c'est un peu galère parce qu'il n'y a pas la même perspective. Mais c'est un peu le délire. Je vois que le focus est toujours en train de se barrer. Mais pour faire des trucs comme ça, je suis obligé de me mettre en automatique. Ou alors faut que quelqu'un me filme. Mais vu que je suis solo, c'est pas évident. Là, on est vraiment sur du visuel. C'est ce que je vous disais. Beaucoup de gens préconisent le son. C'est très important le son. Mais c'est vrai que l'image a aussi son importance. De là à négliger l'image, c'est quand même triste.
Je suis presque à 10, je suis à 18 limutes. Oui, des limutes. C'est presque comme 10 minutes, mais avec une faute d'orthographe. On va passer sur mon préféré. Je me crame les yeux. Nous allons finir sur une vieille lumière lampe torche. Elle est plus vieille que moi. Je crois qu'elle a avoir presque une trentaine d'années, cette lampe torche. Avec une lumière filament qui marche avec des piles. Une grande majorité des lampes torches aujourd'hui fonctionnent sur batterie. Mais pour être le meilleur ou la meilleure. De pouvoir tenter. Si tu ne tentes rien, tu ne pourras pas. Et même si tu échoues, tu apprendras de tes erreurs. Et en soi, une erreur.
J'ai beaucoup aimé mais je dois avouer que j'aime beaucoup cette petite lampe torche, mais je pense que c'est parce que je l'aime bien personnellement, donc je ne suis pas très objectif. Change un jour la lumière, peut-être que je pourrais mettre une LED à l'intérieur. Ils font des adaptateurs aujourd'hui pour mettre des LED un peu partout. C'est ce que j'ai fait sur ma voiture. J'ai remplacé toutes les lumières de l'habitacle par des LED. C'est beaucoup plus économique. Et je trouve un peu plus beau, puisque la lumière n'est plus jaune. Après, ça a son charme le jaune, mais pour moi en voiture, le blanc c'est mieux. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Monte un petit peu plus. Je vais taguer des gens dans ma description. N'hésite pas. J'essaye de faire tourner un maximum pour me faire profiter un peu tout le monde. Mais j'ai pas envie de taguer trop de gens d'un coup.